What's up, gens d'internet, j'espère que vous allez bien, mon nom est Cornel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh bien oui les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui les amis c'est l'épisode numéro 5 sur Royal Fight. Et aujourd'hui je sais plus trop en fait, je sais pas trop quoi vous faire. Mais j'ai décidé de qu'on allait parler un peu ensemble, tous ensemble aujourd'hui les amis, parce que il y a quelque chose qui s'impose. En ce moment sur ma chaîne YouTube les amis, comme vous le savez, j'ai toujours voulu, reprendre le style de faction comme je faisais avant. J'avais plusieurs let's play sur plusieurs factions parce que moi je m'amusais, ça me divertifiait, etc. Et il y avait plusieurs de mes amis qui jouaient sur différents serveurs. Donc j'avais des amis sur un serveur, d'autres amis sur d'autres serveurs. Et puis moi je trouvais ça vraiment cool, ok. Sauf que dernièrement les amis, il y a... je sais plus trop quel serveur aller vu que ben il y a Pandaria, il y a Royal Fight, il y a plein de serveurs qui ouvrent aussi. Et je sais vraiment pas du tout où aller. Et puis, les serveurs, tout ce que je vais aller, mais mes amis, ils n'y vont pas, genre. Mais toutes mes amis ont arrêté Minecraft. Il reste juste, ben, Johanna, c'est pas mon ami. Donc, ça se dit pas, c'est genre super méchant, mais ça reste quand même vrai. Donc, ouais, il reste juste Johanna, puis au final, ben, on sait pas trop où aller. Là, elle, elle joue sur Pandaria, moi, je joue un peu sur les deux, vite fait, comme ça, mais voilà. On va essayer de recommencer une faction comme avant. Je pense que c'est important. Je sais pas encore si ça va être sur Royal Fight. Je pense peut-être quitter aussi Royal Fight vu qu'il y a vraiment pas beaucoup de joueurs. Moi, mon but, c'était de faire ramener des joueurs sur ce serveur-là que je trouvais vraiment bien. Le launcher est super bien fait. Tout est bien sur ce serveur-là. Mais bon, à ce qui paraît, vous avez pas trop kiffé. Enfin, moi j'ai un coup de cœur pour ce serveur-là. Mais bon, c'est, je veux dire, je peux pas vous obliger à venir non plus. Ça a pas fonctionné, mon but. Je peux rien y faire. Je peux rien y faire, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est dommage aussi, c'est que j'avais tellement de projets, genre je veux dire, je voulais tellement faire une belle base, je voulais faire plein de trucs cool, mais ça a pas l'air de, ça va pas fonctionner, je crois. Si on tourne au nombre de connectés qu'il y a là en ce moment, regardez, il y a peut-être 30 coups. 30 coups, puis il est plus que midi, donc c'est chaud, quoi, je veux dire. Je pense pas que j'ai envie de faire partie de ça. Sans être méchant, bien sûr. Mais voilà. Donc là, attendez, je suis juste en train de prendre mes biscuits. Mes biscuits pain d'épices, voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Des cookies s'affichent. Je sais toujours pas comment crafter ça. Il y a sûrement un wiki quelque part, non? Il aurait pu mettre un wiki dans le jeu, ça aurait été cool. Donc, ouais, dernier truc que je voulais vous dire, c'était quoi? Je me souviens plus. Ah oui. Ben, est-ce que vous aimez... Ouh! Ah! Je suis fatigué. Est-ce que vous aimeriez que je fasse du PVP? Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre ça. On n'a pas de P4, hein. On va se farmer un P4, je crois. Ouais. S'il y a un prochain épisode, je crois qu'on va former le P4 prochain épisode. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décorer la base. Let's go. Donc, je crois que j'avais mis cela. Cela. Premièrement, faut décoller les coffres du mur. Voilà. Donc on fait la même chose en bas. Voilà. Comme ça, on va faire ça toute la journée. Non, je rigole. On va faire ça quelques temps, juste le temps de remplir les coffres, enlever les coffres du mur. Voilà. Ça va être long quand même quand tu y penses. Oh non! Toutes les idées m'ont dit pop. Rip. Pas les couilles. Je m'en fous. C'est juste du stuff les amis, c'est pas. On va en avoir, inquiétez-vous pas. Tac tac tac. Ça. Voilà, attends, ça va vraiment être long dans le fond de transférer tout ça, ouais. Je crois qu'il y a eu une nouvelle update sur le launcher, je suis pas sûr. Il doit y avoir des nouveaux trucs et tout, je vais essayer d'aller voir au spawn après, vous montrer tout ça.
Je suis pas sûr, hein, les amis, je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'ils font des updates à tous les semaines. Les administrateurs sont vraiment à fond sur leur serveur. Enfin, après, je sais pas pour comment ils font, parce que personnellement, moi, je l'aurais déjà abandonné. Yo, Pelay. Ok, so, les amis, je sais, hein, vite fait comme ça, vu que je vous parle comme ça, si, donc, ouais, si vous avez des serveurs à me suggérer ou quoi que ce soit, dites-le moi. Beaucoup d'entre vous, je sais qu'ils veulent me revoir sur Hunterfight. Peut-être que j'irai sur Hunterfight, je sais pas encore. Ça peut être une option. On verra en temps et lieu. Mais, ouais, Hunterfight va rouvrir bientôt. Il y a plein d'autres serveurs qui vont ouvrir, donc on verra ça. Sachant que j'ai aussi mon serveur que je devrais ouvrir bientôt, ben, enfin que je veux ouvrir bientôt. Je sais pas si ça va fonctionner. Parce que j'ai pas les talents ou j'ai pas les trucs. J'ai pas les capacités que Bulkeuil Fanfi avait. Donc ça va être un peu difficile pour moi. Mais je vais essayer de m'arranger, les amis. Enfin voilà, au pire, je prendrai un hébergeur de merde au départ pour changer pour un hébergeur bon après. Je connais pas trop ça. Je sais pas trop. Le concept que je veux faire, c'est un truc inédit. Donc je sais pas trop si c'est. Si vous allez accepter et tout, si ça va vous plaire. C'est du faction bien entendu, mais c'est vraiment un truc inédit. Vous savez que je suis un fan de CSGO, donc ça va être relié un peu à la compétitif, au compétitif. Donc ouais, vous l'avez compris, c'est un faction compétitif. Mais je sais pas encore comment je vais faire ça. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer et tout. L'avenir nous réserve plein de surprises, les amis, en espérant que vous allez être là. Et puis voilà, donc pour l'instant, ouais, proposez-moi les serveurs dans la description ou dites-moi juste à peu près où ce que qu'est-ce que vous aimeriez voir et puis moi je vais essayer de vous faire ça. Parce que vous savez que les vidéos sont pas que pour moi mais pour vous. Et aussi pour la YouTube Money, les putes et les... Et voilà, donc je rigole. Je rigole, t'as vu ma part, c'est bon, c'est des blagues, wesh. Ok, il n'y a rien dans ces coffres-là. Super. Donc, on va juste mettre des blocs en fait sur le côté ici. Parce que si notre base se fait piller... Qu'est-ce qui va arriver? Oh, là, qu'est-ce que j'ai fait là? En fait, si notre base se fait piller, il y aura un problème. La TNT, elle peut frapper le mur d'obsidienne. Elle va faire péter les coffres à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, en mettant une couche de bloc de l'autre côté, ça va être correct. Et là, dites-moi pas, ouais, c'est juste sur ce launcher-là. Non, non, c'est sur toutes les launchers. Sur tous les serveurs, c'est comme ça, normalement. Du moins, la plupart. Une TNT qui est demi dans le bloc peut faire vraiment plus de dégâts que n'importe quoi d'autre. J'avais fait tuer d'autres pierres. Putain, j'en avais fait tuer plus que ça. Et où? Là, il y en a un peu. Enfin bon, c'est vraiment un truc tout basique, hein, que ce que je vais faire, les gars. C'est pas quelque chose de... exceptionnel. C'est juste pour vraiment protéger du mieux que je peux les coffres. Et puis, c'est tout, je veux dire. Je suis pas... Je suis normalement bon en déco, mais là j'ai pas le goût de passer genre 5 heures sur une déco. Vous allez comprendre que c'est long et plate et ennuyeux. Donc je fais ça les amis, puis on va se laisser. Oh plein. On va se laisser à la pour la fin d'épisode. En le fond, qu'est-ce que je veux dire par faire ça? Ça veut dire que je vais faire toutes les contours. Enfin, je crois. C'est quoi? On va faire ça. Oh damn, ça c'était une quick reaction time. It's an unreal reaction, my friend. No, it's an human reaction. Bah, je suis fou, c'est bon. Confirm. There you go. Comme ça, on aura des coffres là. Donc ici, on va faire ça. Plus ça. Oh damn, vous avez vu ça? Inhuman reaction. Ah zut, c'est pas grave. Par exemple, plus c'est grave. Attendez, voilà. C'est bon. Et bon. Il faudra le faire sur les côtés. Mais sur les côtés, on va juste mettre des blocs et puis ça va être bon. Vous allez voir ça. Hop là, j'essaie d'aller là, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Le bloc est pas assez haut. Ok, c'est bon. Nickel. Il faudra faire cuire d'autres stones. Donc, ouais. Comme j'ai dit, dans le prochain épisode, je fermerai un P4. Du moins, j'essaierai. Et s'il y en a un, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, je suis pas sûr à 100% de ce que je veux en ce moment. J'essaie de me retrouver depuis que
Quand Vax est fermé, donc on verra bien. Mais si on y a un autre épisode, oui, bien sûr, on va faire un P4, on va compléter cette base. Et puis on va voir avec Friendmind ce qu'il veut faire. Je vous invite les amis à vous abonner à la chaîne de Friendmind si c'est pas déjà fait. Il fait des vidéos sur le serveur, je crois. Et sinon, il fait des factions et tout, donc ça devrait vous intéresser, vu que vous aimez pas mal tous les factions, n'est-ce pas? Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Je rigole, c'est pas terminé encore. Vous êtes con. Tac, 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 tac. Hey, tu peux arrêter de spam, man? Je sais pas, j'ai l'impression que tu fais que spam. Ok, c'est bon. Let's go. Attention, le toit là. Let's go. Ouch. Je suis trop con. Ok, donc je vais faire cuire ça. Et puis... Puis voilà, c'est tout. On se retrouve dans le prochain épisode, les amis. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si l'épisode vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. C'était comme le Pikachu de l'Internet. Bisous.